Salut à tous, c'est Clark. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, dégustation du Harkening Burger de chez Burger King. C'est parti. Manchou. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'Harkening Burger, comment ça a été créé, comment ça a été fait, comment c'en est venu là qu'un streamer FR arrive à avoir son propre burger dans une grande chaîne de fast-food qui est Burger King. Je vous explique rapidement comment a été fait ce featuring, ensuite je vous lirai ce qu'il y a décrit sur leur site internet. C'est simple, Burger King ont mis au défi la communauté d'Harkening en lui disant de mettre un tweet et si ce tweet en question atteignait plus de 100 000 retweet, il allait avoir son burger dans les Burger King. Harkening atteint plus de 100 000 retweets en moins de 3 heures. Burger King a tenu parole et a donc fait l'Harkening Burger. Faut savoir qu'entre le défi du tweet et l'Harkening Burger, il y avait la composition du burger qui a été faite sur Twitter via des sondages. Vous pouvez participer. Je vous lis rapidement le descriptif de cette collaboration. C'est simple, ça paraissait impossible, alors on l'a fait. Le Harkening Burger, vous ne l'attendiez pas, nous non plus. Le Harkening Burger s'invite à votre table après avoir enflammé Twitter cet été. Tout est parti d'une blague. Harkening nous défie de faire le Harkening Burger. Notre réponse réelle si seulement ce tweet fait 100 000 retweets. 113 100 retweets plus tard, on décide de transformer un simple tweet lancé fin juin en véritable recette pensée et élaborée avec son aide, mais surtout en collaboration avec 400 000 tweetos pour une sortie en septembre. C'est ainsi que le Harkening Burger est né. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Petite info concernant les boîtes mystères, elles sont de retour chez Burger King. Elles coûtent 3 euros cette année. Avec une petite nouveauté en plus, on peut y retrouver des burgers master à l'intérieur des boîtes mystères. Je me suis dit, je vais au Burger King, pourquoi pas en prendre voilà, 2 boîtes pour voir ce qu'on peut tirer avec le menu que je prendrai à côté. Ce qui me reste à faire, c'est de vous emmener avec moi au drive pour récupérer le nouveau burger, le Harkening Burger et les 2 boîtes mystères. Burger King, c'est ici. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, je vais prendre le nouveau burger, l'Harkening Burger, s'il vous plaît. En menu ? Oui, en version normale, s'il vous plaît. Frites, coca, chérie, avec. Avec ceci ? Je vais prendre 2 boîtes mystères. En attendant la commande, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un like. Dites-moi en commentaire si vous avez testé les boîtes mystères, ce que vous avez eu dedans et le tout nouveau burger, l'Harkening Burger. J'attends vos avis dans l'espace commentaire. J'attends la commande, on se retrouve tout de suite pour la dégustation. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Je viens de récupérer la commande. Je vérifie bien qu'il y a bien le Harkening Burger. Il y a son packaging. Je sais qu'il n'y en a pas dans tous les Burger King du packaging. Il est magnifique, je vous le montrerai une fois arrivé. Je vérifie aussi l'intérieur de la commande pour voir ce que j'ai eu dans les boîtes mystères. Donc voici le tout premier burger. Il a l'air épais. Donc ça m'a coûté 3 euros. Le burger mystère, ça a augmenté de 1 euro. Partie premier burger. Oh, c'est quoi ça? C'est le Big King. Voilà, donc c'est l'équivalent du Big Mac au McDo. Je vais le mettre de côté pour découvrir le deuxième burger mystère. Oula! Oh, je sens que c'est un master. La texture du pain, je sens que c'est un master. En plus, c'est lourd. Attention. Là. Oh non, c'est un Whopper. Oh, c'est un double Whopper. Mais c'est toujours les mêmes burgers. Vous savez quoi? Je vais quand même taper un croc dans le Big King. C'est parti. Franchement, la sauce, elle est pas mal. Après, si on doit le comparer à un Big Mac, je préfère la sauce du Big Mac et le Big Mac tout court. Mais franchement, il est pas mal. Il est pas sec du tout. J'ai aussi envie de taper un croc dans le Whopper. Et après, promis, je vous emmène avec moi pour la dégustation du Harkening Burger Burger King. C'est parti. Beaucoup moins fan du Whopper. Bref, je vous emmène avec moi pour déguster le nouveau burger. C'est parti. De retour avec la commande. Sans plus tarder, on passe maintenant à la découverte de ce que j'ai pris. C'est simple. Pour le menu Harkening Burger en menu moyen, il est à 8,90€ pour la version solo et la version grande taille. J'ai pas les prix. Mais en tout cas, avec une moyenne frite, un moyen coca chérie et du coup le burger Harkening, il est à 8,90€.
Je vous cache pas que j'ai dégommé les frites sur le trajet du retour. J'avais tellement la dalle, il me reste plus que le burger et la boisson. Donc je vais vous sortir les deux. Le petit coca chéri est juste ici. D'ailleurs, je vais prendre une petite pause parce que j'ai soif. Il est maintenant le temps de vous montrer le burger Arkenir Burger. Il est juste ici avec un packaging vraiment stylé. Je kiffe. Franchement, ils ont fait l'effort de le mettre. Je sais que c'est pas le cas dans tous les Burger King. Là, on l'a. Donc, vous pouvez admirer ce magnifique bleu et violet sur un fond blanc. Franchement, simple. Très stylé, le packaging. C'est pas ce qui va donner le goût au burger. D'ailleurs, en parlant du burger, on va regarder à l'intérieur ce qui s'y trouve. Déjà, on voit à quoi il ressemble de l'extérieur. Donc, rien de plus classique, à savoir que vous avez la version viande normale de bœuf et la version veggie. Moi, j'ai pris la version bœuf à l'intérieur. Il le voulait, nous l'avons fait, l'élu de Twitter, de la salade, des tomates, des oignons, du pain brioché, du comptal fondant et une viande grillée à la flamme. Donc voilà, le petit descriptif du burger. Il me semble que c'est un pain master. Donc, le packaging une dernière fois avant de le découvrir. C'est parti pour le Arkenir Burger. J'arrive toujours pas à le dire. Tac. En tout cas, il est lourd. Hein. Ok, simple de l'extérieur, mais blindé de l'intérieur. On peut apercevoir les tomates, les cornichons, les oignons, mais il est blindé de crudité à l'intérieur. C'est un truc de ouf. C'est un gifoutou dedans. Il y a même des cheveux d'Arkenir. On sent son parfum. Incroyable. En vrai, je vais être sincère, sur le papier, le burger, il me donne pas énormément envie avec la présence des tomates, des oignons confits. Parce qu'il faut savoir que les oignons confits dans le Master Chicken, je kiffe ce burger, mais ça m'a un peu écœuré. Ensuite, on a les cornichons, les pickles. Par contre, la sauce, oui, il y en a bien sur le pain du dessous. Hop, franchement, il a l'air pas sec du tout. Et les deux tranches de cantal fondues, il me semble qu'il n'y en a qu'une. Mais je pense que ça suffit pour le sentir. On va s'attaquer au burger. Par contre, il y a un fashion faux pas. Ils ont mis du ketchup dans le burger. C'est parti, premier croc du Arkenir Burger. Je retape un croc. Wow, le fromage à l'intérieur, le cantal fondu, la texture elle est insane, on dirait une texture de fromage à raclette, du crémeux, le goût est légèrement prononcé, mais ça se marie tellement bien avec le steak. Après je trouve qu'il y a un peu trop de crudité, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est surchargé avec des oignons confits, des oignons fondants, des tomates, des cornichons, enfin il y a un mélange de croquant fondant, on s'y perd un peu. Le petit pickles, le petit croustillant, le petit goût un peu acide, j'aime bien. Pain, rien à dire, c'est le meilleur pain de Burger King. Malgré que j'aime par-dessus tout le pain du steakhouse au maïs. Là, c'est vraiment un pain incroyable, pas sec du tout. L'intérieur aussi du burger, il n'est pas sec en soi, mais il y a un peu trop de... Comment on peut dire ça? De juteux dans le burger. Gros point positif dans ce burger, et c'est pas souvent qu'ils mettent ce genre de fromage. Le cantal fondu à l'intérieur, il est juste magnifique. Par contre, je comprends pas les sauces à l'intérieur, parce que en soi, c'est pas sec du tout. On sent pas les sauces, il n'y a pas une sauce signature dans ce burger, c'est un peu dommage. Je juge, je note en mode premier degré, mais au final, je me dis que c'est un burger fait par la communauté. Quoi de mieux ? On a un gars qui a réalisé un de ses rêves peut-être et qui a son burger dans un fast-food. C'est un truc de ouf. Je viens d'y penser et je me dis qu'au final, c'est du kiff. C'est pas forcément le meilleur burger que vous allez avoir dans le Burger King, mais ça vaut le coup de tester et de se faire une idée sur le Arkenir Burger. Moi, ce que je retiens le plus de ce burger, c'est le mariage entre le cantal fondu, le pain et le steak. C'est un mariage incroyable. Même moi, je m'en souviens, cet été, j'avais voté pour mettre des ingrédients à l'intérieur du burger. Je me souviens plus lesquels j'avais mis. Mais en tout cas, ça va. C'est pas mal. Il y a un peu trop d'ingrédients à mon goût. Mais s'il faut le prendre en mode à la rigolade, en mode c'est la communauté, c'est nous qui régalons, on s'en fout. Par contre, si c'est un truc à prendre sérieusement, je trouve qu'il y a un peu trop d'ingrédients.
qui me déçoit dans le burger, c'est la sauce. Je n'ai pas trop ressenti de sauce. Il y a tellement de juteux que la sauce, j'ai l'impression, elle est devenue liquide et elle s'est évaporée. Après, ça m'empêche pas de le dégommer. Hein. La texture du fromage, il n'a pas spécialement de goût, d'arrière-goût, mais la texture, je kiffe. Ça se marie tellement bien. Donc voilà, c'est la fin de la dégustation de ce Harkenir Burger. Honnêtement, c'est pas un truc que je reprendrai hors vidéo. Il y a tellement mieux à la carte Burger King. Mais pour le kiff et l'expérience, franchement, c'est basique, j'ai envie de dire. Le point fort de ce burger, bah, c'est le pain signature, enfin le pain master qu'on connaît tous. Je suis pas trop revenu sur le steak, mais il était bon, il était juteux. Il avait pas cet arrière-goût qu'on peut retrouver dans le Whopper un peu sec. Et en y repensant, c'était même pas un steak master, donc en vrai, il est plutôt pas mal dans l'intérieur de ce burger. Je vous disais, le point positif de ce burger, c'est vraiment le cantal fondu. Je sais pas s'il y en avait deux tranches, mais en tout cas, s'il y en avait deux, on le sentait vraiment bien, parce que bah, cette épaisseur, cette onctuosité apportait beaucoup au burger, et je pense que sans ça, ça aurait été difficile de kiffer le burger pour ma part. Un peu trop de crudité à mon goût, je suis tombé au moins sur 4-5 bouts de pickles. Voilà, ça me dérange pas de tomber dessus, mais je pense que 1 ou 2, 3, ça suffit. Là, il y en avait un peu trop, comme la laitue, les oignons croquants, les oignons fondants, plus les tomates, même si je les ai mis de côté, je trouve que ça fait un peu trop de verdure, de légumes dans un burger. Autre point négatif, c'est la sauce. C'était trop liquide, du coup, la sauce s'était évaporée tellement qu'il y avait du liquide de ce que j'avais à l'intérieur du burger. Pour le kiff, n'hésitez pas à le tester, à faire votre propre avis, et dites-le-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surcoté, sous-coté, vous attendez dans l'espace commentaire. Encore une fois, je le dis et je me répète, c'est un burger à prendre à la rigolade finalement. Voilà, c'est un kiff que un streamer, je connais pas spécialement, mais qui a fait quelque chose de grand, faut se le dire. Arriver à avoir son propre burger dans un grand fast-food, c'est un truc de ouf. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner sur la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.